Bonjour, je m'appelle Daniel Barré. J'exerce la profession depuis une petite trentaine d'années d'encadreur à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la manière la plus efficace pour éviter qu'une peinture ne gondole. Toute peinture, tout dessin sur quel que soit le support, gondole, en fonction de l'hygrométrie de chacun. Dans ce cas, à l'aide d'une éponge, il faut saturer le visuel au maximum d'humidité qu'il puisse recevoir. Nous allons passer à la pratique. Ne pas trop engorger l'éponge, donc répartir de façon éparse l'eau à l'aide de l'éponge, retourner le visuel, et c'est donc à l'aide d'un biseau, quel qu'il soit, on va faire le tendage. Le papier est mouillé. On va ceinturer maintenant le tour du papier à l'aide d'une bande de papier gommé qui, elle, sera également humectée. Donc là, c'est uniquement pour tenir le visuel sur le biseau pour ne pas qu'il glisse. Une fois que le visuel est sur son recto, il faut absolument, à l'aide de deux petites pastilles de Kraft, maintenir le visuel sur le dos du biseau et donc de le fixer ainsi. Le visuel est maintenu par les pastilles, donc là il ne bougera plus. Maintenant, on le ceinture à l'aide de quatre morceaux de bande gommée qui seront humectés comme le papier. Le papier gommé et le visuel étant mouillés à peu près de la même façon lorsque les deux sèchent en même temps, ça fait peau de tambour et là, le visuel sera tendu. A vita aeternam, il peut pleuvoir toutes les larmes de la terre, votre visuel sera toujours très bien tendu. Il y a une petite heure, j'ai tendu la petite sœur de cette même gravure, le même papier, même format, 60 minutes de séchage, voilà la peau de tambour, légère déformation du papier, parce que le papier tire même sur le visuel, et lorsqu'il sera dans le cadre, il y aura une tension qui fera que là, véritablement, il n'y aura aucun gondolement du papier. Maintenant, vous connaissez la formule pour tendre à peu près toute la gamme de papier qui peut être sur le marché actuel. Ça peut également se faire sur des papiers très fins, style poster, de faible grammage. Et dans tous les cas, il faudra toujours quand même un biseau pour ceinturer le visuel, mais de cette manière, vous aurez toujours votre visuel tendu.